Shalom les amis, paix et grâce dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin ou ce soir, cela dépendra à quelle heure vous allez voir cette vidéo, je souhaiterais, dans le cadre de notre école de ministère, partager sur l'utilité que nous avons aux yeux de Dieu. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'elles sont inutiles, qu'elles ne servent à rien et que leur vie n'a pas vraiment de sens. Mais j'aimerais, à travers une histoire dans la Bible, encourager un serviteur et une servante de Dieu. Dans l'une de nos vidéos, nous avons parlé au sujet de l'appel et nous avons dit que nous sommes appelés par Dieu et pour Dieu. En d'autres termes, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous utilise, c'est Dieu qui connaît notre importance, c'est Dieu qui connaît notre valeur. Alors, plongeons-nous dans les Écritures, dans Luc chapitre 19. On va lire une belle histoire. Luc, évangile de Luc chapitre 19. La Bible dit ceci, que Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà l'histoire d'un homme qui était collecteur d'impôts. Et qui, à l'époque, ce genre de personnages étaient de mauvaise moralité, car ils étaient des escrocs, des voleurs, des personnes corrompues. Mais malgré ce que cette personne pouvait être aux yeux de la société, aux yeux de ceux qui l'entourent, Dieu avait un plan pour cet homme appelé Zachée. Dieu avait planifié que cet homme un jour puisse être sauvé. Et voilà que un jour, le Sauveur, le Rédempteur, va passer dans cette ville de Jéricho où se trouvait cet homme. Et j'aimerais dire que cet homme avait un rendez-vous divin avec le Seigneur. Dieu avait planifié, Dieu avait arrêté que cet homme sera touché par la grâce divine dans cette ville de Jéricho, pas ailleurs. Maintenant, lorsque Jésus entre dans cette ville de Jéricho. Jésus est un personnage public avec une très grande renommée parce qu'il guérissait les malades, il chassait les démons, il prêchait avec autorité. Il était prophète de Dieu. Donc il drainait les foules comme aujourd'hui nous voyons. Des personnes avec l'onction de Dieu, avec l'esprit de Dieu, qui ont une renommée et qui draine des foules. Notre Seigneur était un homme qui attirait, qui drainait les foules. Et Zachée, lorsqu'il apprit que Jésus était justement de passage à Jéricho, a ressenti au plus profond de lui ce besoin, ce désir de pouvoir le voir, de pouvoir le rencontrer. Or, Zachée ne savait pas que le désir qu'il avait dans son cœur de pouvoir rencontrer Jésus était quelque chose que Dieu avait déposé dans son cœur.
Maintenant, face à ce besoin, face à cet objectif de rencontrer Jésus, Zachée était confronté à une première difficulté. La première difficulté de Zachée, c'est que Jésus était entouré par une grande foule et il était difficile de pouvoir le rencontrer à cause de la foule qui était nombreuse. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que Zachée, en dépit de la foule, avait une taille qui était petite. Donc même s'il pouvait se fondre dans la foule, sa petite taille était un handicap pour lui. Et voilà justement, les amis, là où va intervenir le cœur même de mon partage au sujet de l'appel. Face à l'handicap de Zachée, comment allait-il faire? Comment cela allait se passer pour qu'il puisse rencontrer ce Jésus? Et voilà qu'intervient un arbre. Un arbre appelé sycomore dans la Bible. Cet arbre était un sycomore et il était planté à un endroit bien précis. Alors j'essaie un peu de m'imaginer la vie de cet arbre qui a été planté là, sur ce chemin, là où presque tout le monde passait. Il n'y avait pas grand-chose, pas vraiment beaucoup d'événements dans sa vie. Une vie peut-être comme tous les autres arbres. Mais cet arbre qui était planté là ne savait pas que tel qu'il était présenté, peut-être qu'il n'était pas comme un cèdre de Liban, peut-être qu'il n'était pas comme un bois d'acacia, peut-être qu'il n'était pas comme un grand chêne. Peut-être qu'il n'était pas comme un baobab. C'était un sycomore. Et ce sycomore-là ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que Dieu avait permis qu'il soit planté à cet endroit parce qu'il y avait un but divin. Frères et sœurs, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but qui est pour sa gloire. D'ailleurs, la Bible dit qu'au sujet de sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon, même si à l'instant T, nous ne réalisons pas la bonté de Dieu. Mais tout ce que Dieu fait est bon, car telle est sa volonté à notre égard. Cet arbre était planté là, mais cet arbre ne savait pas que dans le plan de Dieu, Dieu avait fixé un jour, une heure, un moment, un instant où cet arbre serait d'une très grande utilité. Peut-être que cet arbre n'avait pas vraiment une grande utilité. C'était juste un arbre parmi les arbres pour donner peut-être de l'ombrage lorsqu'il fait chaud. Mais cet arbre, en dépit de ce qu'il était arbre, il avait un plan. Dieu plutôt avait un plan merveilleux pour cet arbre. Et c'était en rapport avec Zachée. Cet arbre était planté à cet endroit pour être, selon le plan de Dieu, le moyen, l'instrument qui allait combler l'handicap de Zachée, du moins dans la première partie de sa vie, pour lui permettre de rencontrer Jésus-Christ, le Rédempteur. Humainement parlant, Zachée avait un handicap et cet handicap-là, il n'y a que cet arbre, ce sycomore, qui pouvait
résoudre le problème de Zachée. Apparemment, cet arbre correspondait avec les mensurations qui permettaient à ce que ce petit homme de Zachée puisse y avoir accès et pouvoir monter sur cet arbre pour enfin avoir la possibilité de voir, de rencontrer son Seigneur. Donc voilà un arbre qui était planté là sans pourtant savoir qu'à cet endroit précis, la vie d'un homme allait être changée, la vie d'un homme allait être bouleversée. Cet arbre ne pouvait pas imaginer un seul instant que grâce à lui, le salut entrerait dans la vie d'une personne. Cet arbre ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que grâce à lui, un homme allait passer de la mort à la vie, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Un homme allait passer d'une vie temporaire à une vie éternelle. Alléluia. L'arbre, le sycomore de Zachée, était placé au bon endroit, même si les hommes ne réalisaient pas la place de cet arbre. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, personne n'est inutile. Dieu vous a créé, Dieu vous a sauvé, Dieu vous a établi pour un but. Peut-être que vous ne comprenez pas tout de suite la raison, le rôle que vous allez jouer sur cette terre, mais je veux tout simplement vous rassurer, personne n'est sur la terre juste pour décorer la terre, juste pour occuper inutilement la terre. Personne n'est sur la terre juste pour vivre, vivre pour vivre. Non, vous êtes là parce que en vous, Dieu a placé des réponses. Dieu a placé en vous les moyens d'être un soutien, d'être un consolateur, d'être un moyen de salut pour quelqu'un dans votre entourage, dans votre lieu de travail et dans votre famille. Vous n'êtes pas inutile. Dieu a un plan pour vous. Et à travers vous, Dieu veut sauver, Dieu veut aimer, Dieu veut relever, Dieu veut pardonner, Dieu veut consoler, Dieu veut encourager un homme, une femme dans votre entourage immédiat comme lointain. Le sycomore de Zachée a été le moyen qui a permis à ce petit homme de pouvoir rencontrer Jésus le Christ. Tout ce que Dieu va faire sur la terre, c'est pour faire en sorte que nous puissions être des instruments qui vont permettre à d'autres de rencontrer Jésus le Christ. Tout l'investissement que Dieu fera dans votre vie, c'est pour vous permettre d'être un moyen, un canal pour que un homme, une femme puisse rencontrer Jésus le Christ. Ne vous découragez pas, Dieu a fixé un temps, Dieu a fixé un moment où lui-même il va créer le chamboulement dans votre vie et où vous allez véritablement vous rendre compte de votre valeur aux yeux de Dieu. Oui, vous avez du prix, vous avez de la valeur et le Seigneur a un plan, a un projet. Votre vie, vous n'êtes pas là par hasard, mais il y a un but divin derrière votre vie. Soyez tout simplement à l'écoute, priez pour avoir le discernement et vous verrez que Dieu a investi des bonnes choses, des belles choses dans votre vie et vous allez être pour quelqu'un un sujet de joie, un sujet d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt. Et continuez dans la méditation de cette histoire et que cette histoire, encore une fois, puisse vous aider à comprendre que vous avez du prix, de la valeur aux yeux de Dieu. Et quelle que soit votre différence,
vous être utile pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.